Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Final 17. On sera à l'épisode 18 sur la vie ferme. Je tiens à vous dire que ce sera le dernier épisode sur cette série. Parce que je pense qu'on a fait le tour sur cette série. On a déjà fait... Ouais, je voulais faire 20 épisodes, donc là on sera 18, donc il ne restera plus que 2 épisodes. Et malheureusement, cette map, je joue pas énormément, pourtant cette map, je l'adore. Mais vous savez que je joue sur Slap'n'Back, sur l'exploit justement où je tourne l'extension céréalière. C'est ma carrière perso, et je pense que je vais continuer l'extension céréalière. Je pense peut-être même juste, je pense peut-être jusqu'à Farming 19. Bon, pour l'instant, c'est pas sûr. Je ferai peut-être une autre carrière qui remplacera l'exploitation, la vie ferme, quoi. Mais j'ai encore l'extension, la ferme allemande à tourner. Et bon, pour l'instant, la team est pas encore, genre, travaille ça, donc j'ai pas eu le temps encore de tourner. Du coup, on va déplier ça. Donc, vous avez vu voir, donc, vous avez pu le voir, comme je vous ai promis, on ferait l'arrachage pomme de terre. Malheureusement, je voulais attendre qu'il y ait un DLC qui sort. Donc, le DLC, c'était le DLC... c'était quoi déjà? Si c'était oui, il devait avoir un DLC Grim. Bon, j'ai pas eu de nouvelles pour le DLC Grim, donc à mon avis, je pense qu'ils vont l'annuler. Bah, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles. Et puis, vu que Farming 19 arrive dans pas très longtemps, bah, dans pas très longtemps, arrive dans un bout de temps, mais j'ai. Voilà, je vais pas m'acheter le DLC Grim, ça m'étonnerait que j'achète. Donc, du coup, puis, vu que je dois finir cette série, donc autant finir cette série en faisant l'arche pomme de terre comme j'avais promis. Donc voilà. Alors du coup je pense avec une petite vidéo on pourrait essayer de faire tout le champ ensemble. Parce que j'ai pas... Comment dire? Sur cette... Ah, attendez, je vais essayer de faire un demi-tour bien correct. Donc oui, pour cette série, vu que... Voilà. Donc oui, vu que j'ai fini normalement cette série. Donc du coup, ouais, on va être tranquille sur le rachat pomme de terre. En plus, j'ai pas tous mis le champ. Donc voilà. On va tranquille. Ah mince, j'ai oublié de... Ok. Le fail total. Voilà. Il y a un fail. Voilà, il y a un fail, donc voilà. Donc du coup, il y a le petit JD avec la remorque, c'est une Brimont. Donc j'aurais pu vous me dire, vous allez me dire, ouais, t'aurais pu utiliser la Coutant. La Coutant, j'ai déjà dit, donc la Coutant, j'aime bien, et sauf qu'il y a un truc qui me déçoit, c'est quand en vide, le grain, on voit pas le grain tomber. Donc c'est ça qui est mal fait. Bon, après c'est juste, c'est un petit détail, mais c'est un peu dommage. Donc voilà. Du coup, je finis. Du coup, je finis, ouais. Ouais, du coup c'est bon. Ah ouais, je sais, c'est pas pratique. Voilà. Ouais, donc du coup je finis avec la Brumon. Du coup la Brumon, franchement, elle est pas mal. C'est qui vient. Et ouais, on a eu aussi des news sur FS19. Pour l'instant, je vais pas continuer. Je ferai peut-être. Je vous parlerai après du matos qu'on aura sur FS19. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de matos. Mais pour ce qui est news, tout ça. Caractéristiques, ça, je trouve qu'il y a assez de youtubeurs qui en parlent. J'ai pas très envie de... Bon, je les copierai pas, mais ce que je veux dire, j'ai pas très envie, parce qu'il y a genre Energy 5, un youtubeur assez connu. Moi je vous conseille d'aller voir ses vidéos info Farming 19, tout ça, parce que lui, franchement, elles sont super bien, quoi. Il parle vraiment de ce qu'il y aura. Et puis moi perso, ce que je ferais si vraiment je vais faire ces vidéos là ça serait que répéter ce que les youtubeurs disent, donc je vois pas l'intérêt. Je vous parlerai franchement plus des matériels, ce qu'il y aura, quand on aura plus d'infos là-dessus. Sinon, bah sinon tant pis, hein. Bah sinon, je continuerai à faire ça, mais pour les vidéos infos, je préfère que vous ayez voir d'autres youtubeurs. Mais pour ce qui est du matos, quand on aura des infos là-dessus, je vous ferai des vidéos ce qu'il y aura. Mais sinon, le reste, je vais pas forcément copier les autres youtubeurs. Les youtubeurs, franchement, Energy5 fait beaucoup de vidéos sur FS19 News. Je pense que j'ai pas besoin de faire rajouter mes commentaires là-dessus. Donc voilà. Hop. Ah, par contre, c'est pas pratique. Je vais peut-être remettre la HUD, les amis. Donc voilà. Ok, donc on est à 7%. Donc 727 tonnes. Du coup, ouais.
Alors vous avez pu voir, donc j'ai l'animation prise de force, donc c'est un mode qui est super bien, donc du coup j'avais mis. Perso, si vous le voulez, vous allez voir sur une des vidéos sur l'extension sérialière, j'ai mis le lien du mode. Donc pour ceux qui le veulent, allez sur le lien et pourrez le télécharger. Donc voilà. Donc je continue ça et puis je veux pas tarder à arrêter. Oh, et puis de toute façon, je pense que je vais vider, je vais continuer là-dessus. Ouais, de toute façon, j'utiliserai la machine après. Donc là, ok, donc là, ça rentre, ok. Donc à propos des vidéos, je pense que je ferai une autre vidéo. La vidéo qui est que je tourne, donc on est mardi, donc elle sortira demain, donc on sera mercredi. On sera le 1er août, donc elle sortira le 1er août. Après, ce que je veux dire. Mince. Ce que je veux dire, c'est que je repars la semaine prochaine en vacances, donc je pars une semaine en Islande. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aura des vidéos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je pense dans la semaine, début de la semaine prochaine, parce que je pars en milieu de semaine. Je pars en milieu de semaine prochaine, donc j'essaierai grosso modo samedi ou dimanche d'essayer de faire ma vidéo, pas ma vidéo, mais mon montage, parce que j'y aura deux vidéos IRL qui sortiront, qui aura la vidéo sur la moisson et il y aura une autre vidéo, ça sera la vidéo sur les semis de couvert. Donc j'ai réussi à filmer, à prendre quelques points de vue. Donc il y aura vidéo de semis de couvert. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez ça dans la semaine, dans la semaine où je partirai en vacances. Donc dans deux, grosso modo dans 2 semaines. Donc voilà. Donc du coup c'est bon. Ok, on est déjà 19%. Ouais, donc on va refaire un petit coup là. Donc sur cette map, je continuerai peut-être que vous aurez la chance de. Je posais la chance. Peut-être que vous verrez des vidéos détente sur cette map. Si vraiment les autres maps, je les ai bouclées. Sinon, bah j'essaierai de faire quelques vidéos. En tout cas, sûr, il y aura que son salaire, mais sinon. On s'arrêtera là. Si on sera l'épisode 19, l'épisode 18 sera le dernier épisode. En tout cas sur cette série-là, j'arrête. J'ai plus rien à vous montrer. Je trouve qu'on a assez, que j'ai fait assez beaucoup de choses avec vous sur cette série. Et franchement, cette série, franchement, pour moi, c'était une des meilleures séries. C'était une grosse série, un peu comme l'exploitation bavaroise, l'exploitation sur la cave sur Fichtelberg. Franchement, ça m'a plu de tourner cette série avec vous. Franchement, j'ai été satisfait de tourner sur The Hall du Vieille Farm. C'est une de mes maps préférées. En classement, si je vais la mettre, je pense que je mettrai deuxième map préférée. Deuxième map ou troisième map, parce que Gamesting, j'aime bien, mais j'ai pas vraiment beaucoup joué sur Gamesting. Mais Gamesting, je mettrai peut-être deuxième place et The Hall du Vieille Farm troisième place. Franchement, ça reste un bon classement de map. Donc voilà. Du coup ouais. Ouais, du coup les amis, je fais une petite ellipse et puis on se retrouve pour vider la benne. Bon, à tout de suite les amis. Donc nous revoilà les amis. Ouais, normalement je vais vider l'arracheuse à pommes de terre. Bon, je suis encore à 63%, donc le champ est bientôt fini, donc j'ai bien avancé. Bon, c'est vrai que cette machine là est super bien, sauf que on galère parce qu'en fait elle prend que deux rangs et sur le côté et à l'avant j'ai la machine là qui sert à effeuiller justement, qui enlève les feuilles de la pomme de terre. Mais du coup ouais, ça prend, je pense ça va faire 3 mètres et là ça fait que 2 mètres vu que ça prend 2 rangs. 2 mètres, enfin peut-être pas 2 mètres, mais ça prend pas, c'est pas gros. J'aurais pu avoir le DLC repas, parce que le DLC repas on aurait pu aller directement dedans, ce qu'il y a déjà, ça prend la feuille, ça trie que là, ça prend que la patate. Donc je vais remonter ça. Ah, et puis en plus j'ai même pas baissé ça. Bon, c'est quoi? On va vider, puis on videra ça, on va vider ça au cochon. Puis voilà. On va vider ça maintenant. Hop. Puis je finirai ça limite en off. Ou je reste que je sais même pas si je rejouerai sur cette map. Enfin, peut-être en solo, on verra, mais. Ça dépendra. Mince. Hop. Je vais enlever l'HUD. Voilà.
Est-ce que c'est bon? Ok, nice. Dommage qu'on ait pas de caméra, parce que en plus on voit pas la lama ben, c'est dommage. En réalité, on dit que tu dois avoir des caméras sur au niveau de la buse. Hop. Bon bah de toute façon les amis, on va prendre le petit jeune dire et puis on va évider. Ou off, on verra. Non, je vais. Ouais, si on va prendre le JD, on va éviter. Hop. Je préfère dégager de pommes de terre, mais j'ai pas acheté le truc et puis j'avais pas spécialement envie là. Donc on va y aller. Donc j'espère que l'épisode va vous plaire. Donc en tout cas, franchement, ça fait toujours plaisir qu'il y ait toujours des vues sur les vidéos. En tout cas, c'est pas aujourd'hui que je vais me lasser, que j'arrêterai les vidéos. Personnellement, si quand il y aura Phase 9, j'essaierai de me mettre vraiment en live. Donc j'ai pas deux écrans, je me débrouillerai pour aller commentaire. Mais sérieusement, je vais essayer de commencer live. J'essaierai de commencer live sur FS19 de Zepo Radio. Donc voilà, j'essaierai sérieusement de m'y mettre. Donc je pense que je verrai avec la team pour faire des lives. Je pense qu'ils vont être contents. Bon, c'est sûr que je dis ça à Kevin et il va dire ouais, je serai dessus. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, franchement, on va essayer. Je sais pas si je serai en 1080p parce que je sais que pour télécharger des jeux sur Steam, des fois ça me prend énormément d'heures. Bon, ma connexion, c'est j'habite en campagne, du coup c'est pas j'ai pas la fibre. Ça me plaît d'avoir la fibre, mais voilà quoi. Donc j'essaierai en 1080p, si ça bug trop, je descendrai en 720p. Et si la qualité est vraiment très mauvaise, du coup je serai pas de live. Donc, voilà. Et si encore en 720p ça passe. Donc voilà, je vous tiendrai informé quand on commencera à y aller. Donc voilà. Les pommes de terre, je les mettrai où? Ouais, je vais peut-être les mettre à côté. Hop. C'est vrai que les bennes brumeuses sont pas mal. Voilà. On va mettre ça là. Donc ça fait pas énormément un gros tas, mais bon, c'est pas grave. Bon bah écoutez les amis, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Partagez, commentez, likez et abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Point de jeu. Allez, ciao, ciao.